Antoine Le Draoulet est l'outsider de la course au large. Ce navigateur de 25 ans, originaire de Bourgogne, lycéen à Charolles, découvre la mer grâce à son père, un passionné de voile qui a beaucoup navigué en transat et qui lui met le pied à l'étrier. À l'âge de 15 ans, il fait l'acquisition de son premier Mini 650. À l'aube de sa 20e année, il montre une magnifique prouesse en finissant plus jeune vainqueur de la Mini Transat, un titre toujours convoité. Cette victoire marque un tournant dans sa carrière au large. En quête d'aventure, Erwan se lance en 2018 sur le circuit Figaro. Il réalise ainsi pour sa première transatlantique en Figaro un record de vitesse, 345 miles en 24 heures en duo avec Loïs Béréard, encore jamais battu. En 2019, après une saison écourtée pour cause de blessure, il tente les sélections pour devenir skipper massif. Fort de sa belle démonstration de détermination devant le jury, il devient skipper massif 2020. Erwan Le Draoulet ajoute aujourd'hui à son palmarès 3 saisons complètes en solitaire et un beau bouquet final avec une 4e place sur la solitaire du Figaro.